C'est parti ici à Old Trafford, au Théâtre des Rêves. Première journée de Première Ligue, on se retrouve une nouvelle fois avec José Nigo pour ce Manchester United Chelsea. Bonsoir José. Bonsoir à tous, bienvenue ici sur José TV. La première journée de Première Ligue déjà, match alléchant, Manchester United, bonsoir dans le Théâtre des Rêves, dans Old Trafford Stadium. Les Blues de Chelsea. Alors Manchester doit se reprendre les vis de la Ligue des Champions cette saison. Bien évidemment, c'est l'objectif avec un mercato qu'ils ont été souvent critiqué puisqu'il a été vu comme un flop ce mercato avec la recrute seulement de deux défenseurs, Wan-Bissaka à gauche, le prometteur, et puis Maguire, le plus grand transfert de l'histoire, le plus gros défenseur acheté pour le plus gros transfert de l'histoire en défense centrale. C'est parti pour les compos avec un 4-4 dans losange du côté de Manchester, De Gea dans les buts, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof et Shaw font la défense à 4. McTominay, Matic, Paul Pogba, les trois milieux centres. Mata en 10, derrière les deux attaquants, Martial et Rashford, ça va aller très vite devant. Voilà, deux derrière, un milieu très physique. Bon, la défense, j'ai peur, à moins qu'ils mettent Bailly pendant la saison, parce que je pense pas que les deux pairs vont pouvoir, la paire va pouvoir faire toute la saison à bloc. Et allez, on va passer maintenant du côté de Chelsea avec là un 4-2-3-1 organisé par Lampard pour sa première qui n'est pas dans les buts. Azpilicueta, Christensen, Zuma et Alonso en défense. La doublette devant la défense, Kanté et Jorginho. Pedro, Pulisic et Willian sont le trident juste derrière l'attaquant international français Olivier Giroud. J'aurais plus mis un 4-2-3-1 pour... un 4-2-3-1, oui c'est ça, mais Willian en 10 avec Pulisic. Alors du côté de Chelsea, c'est la première de Frank Lampard et ça va être on espère un grand match pour sa première. Voilà, le coup d'envoi a été donné par Manchester United. Pour Pedro, pour N'Golo Kanté qui a hésité de pas se projeter. N'Golo Kanté, le bon centre avec la reprise de Pulisic. Quel mouvement José. Ah, super mouvement, c'est très bien joué, peut-être qu'il aurait dû contrôler. Mais peut-être qu'après il n'aurait pas eu assez de temps, donc c'est bien. Non, joué. Mais non, la reprise elle devait être instantanée. Voilà, quelle délice de Kanté quand même! Ouais, magnifique, qualité de passe sublime, 10 sur 10. Hein. Voilà, quelle occasion! Dans toutes les écoles, Jorginho quand même, je coupe là pour Pulisic! Oh, quelle occasion! Et De Gea montre pourquoi il est l'un des meilleurs gardiens du monde! Superbe parade de David De Gea face à la frappe, il me semble que c'est Pedro. Alors peut-être là il aurait dû projeter comme ça, s'il se faisait tacler, c'était penalty. Ouais, mais cette frappe directe est en première intention. Je suis d'accord avec vous. Allez, Paul Pogba, les passements de jambes. Le centre. Oh, Mata, ça va revenir avec Rashford. Oh, et l'arrêt de Kepa. Ça y est, Rashford répond à Pedro et compagnie. Je voulais avoir un petit truc. Eh ouais, c'est une mauvaise intervention de Zuma quand même. Ah, peut-être que j'aurais contrôlé mon rentrée sans pied. Ouais, arrêtez avec vos contrôles. Superbe frappe quand même de Rashford. Et ça aurait pu faire un zéro. Mais plutôt... Attention, c'est encore lui. Oh, ça y est, c'est au fond. 1-0, c'est un peu contre le cours de jeu. Mais Rashford ouvre son compteur but cette saison. Superbe frappe. Super coup de clarité sortant. Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, José, mais la défense, elle le laisse un peu seul. Et heureusement qu'il y a le poteau qui vient aider Rashford, qui a tout le temps quand même de se retourner, de frapper. Alors Marco Alonso, pourquoi il se décale? Je ne comprends pas là. On voit sur les images, il s'est décalé. En tout cas, ça fait 1-0 pour les Reds. Et ce match commence. Ce match commence sur les chapeaux de roue. Un coup au moral et les arrêts. Voilà, ça, le dédoublement avec Azpilicueta. José avait vu avant tout le monde. Il fallait centrer peut-être. N'Golo Kanté, Pedro. L'autre transversal, il y a un joueur tout seul là. Jorginho, c'est bon. Avec Pulisic. Oh, que c'est bon. Que c'est bon, José. Et ça fait un partout. Premier but en première ligue pour Pulisic. Ouais, pour Ce talonnade de Jorginho. Bien joué. Ben voilà, hein, je disais qu'il fallait pas le faire jouer. C'est bien, il marque en étant en plein centre de l'attaque. Il a bien joué. C'est super, un but partout et c'est logique ce match nul. C'est logique en tout cas Chelsea revienne dans la rencontre. En tout cas, une dernière frayeur, ouais, non. Non, puisque Christensen veille au grain. Et voilà, c'est la pause ici à Old Trafford Stadium. Et alors, José, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps? Très intense, on s'est pas ennuyé, beaucoup d'occasions de part et d'autre. Peut-être qu'il va falloir plus finir les occasions. Mais déjà, c'est pas mal, il faut mettre la machine en route, c'est le premier match officiel.
premier match peut-être où il y a vraiment beaucoup d'intensité, où il y a de l'enjeu. Et donc c'est ouvert. Hein. C'est ouvert. Ouais. J'aurais cru au début que Manchester jouait la défense. On les voyait un peu reculer, mais ils ont un peu monté. À Old Trafford Stadium. Les 22 acteurs sur la pelouse, c'est reparti pour la seconde période. Déjà une minute de jouer. Et oui, avec le ballon maintenant. Qui va faire la touche avec Willian. Le centre de Giroud. La passivité de la défense de Manchester United qui vient laisser, il me semble que c'est Pedro, inscrire un but. Et ça fait 2-1 pour Chelsea. Ah, bien joué, très vite Giroud, il avait vu le trou. Et ouais, mais là, quelle passivité. Alors, je sais pas, là, c'est Luke Shaw. Pourquoi il est... Ouais, non, mais c'est pas que Luke Shaw, c'est même Paul Pogba et puis Pedro qui s'autorise un petit ciseau non acrobatique. Mais le centre est beau aussi. Hein. Ouais, un bon centre, mais bon, après, c'est quelle erreur quand même. Ouais, quelle erreur. Et donc ça fait 2-1 pour Chelsea, on peut pas dire que c'est démérité. C'est important, mais attention, hein, peut-être s'il tendait plus sa main, il pouvait plus savoir, mais il fallait aller très vite et c'est difficile. Allons dans les pieds de... avec le ballon maintenant pour Barclay. Oh, la frappe. Il était surpuissant, David De Gea à la parade. La frappe de Ross Barclay. Ce centre De Gea est bon, mais le tir est bouillé. Ah oui. Avec Ressenigan, là je l'attendais celui-ci, quel joueur. Vasic. Et l'arbitre va siffler la rencontre là. Bientôt, ouais, il va siffler monsieur l'arbitre. C'est fini. Voilà, c'est terminé. Voilà, victoire 2-1 de Chelsea. On ne s'est pas ennuyé en première mi-temps. Chelsea a essayé de tuer le match, a mis un coup sur la tête à Manchester dès le retour des vestiaires. Mais Manchester a ouvert le score un peu contre le cours du jeu, ne pas l'oublier. Ce pénalty non sifflé aussi. Il est à dire car ça aurait changé tout la donne. Bah non, si j'étais pour Chelsea c'était une frappe de Willian qui a été compris. Ah oui. Ça aurait tué le match complètement, on n'aurait plus rien vu carrément, donc là on l'a déjà pas vu du tout, mais ça aurait été encore. Voilà, donc on se retrouvera pour un prochain match, en tout cas on a passé une bonne après-midi avec José. Voilà, sous la pluie ici à Old Trafford Stadium. Et victoire méritée de Chelsea, à la prochaine. On espère, des bons restes pour Franck. Salut, allez, quichez le palier, à la prochaine.